Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et spécialement tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, que le Seigneur soit avec vous d'une manière spéciale. Nous regardons en arrière à un week-end avec des grandes bénédictions. Le Seigneur était vraiment bon envers nous. Il a accordé l'inspiration divine et la révélation pour voir les prophéties bibliques dans leur accomplissement et aussi avoir un regard à Jérusalem, sur Jérusalem et voir les choses qui se passent là-bas maintenant. Selon ce que notre Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, alors vous savez, vous ne devinez pas, mais vous savez que le temps est proche et que nous devons nous redresser car notre rédemption est proche. Et de l'autre côté, nous avons le message de l'heure, le dernier appel, la parole promise à l'Église et finalement les promesses qui sont adressées aux vainqueurs, à ceux qui sont appelés à sortir et se préparer pour le retour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Et de la même manière comme Israël doit retourner dans sa terre, la terre que Dieu leur a promise, et de se préparer quand les deux prophètes auront leur ministère à Jérusalem, c'est ainsi que ceux qui sont appelés à sortir maintenant doivent retourner à la parole promise pour ce jour. En rapport avec Israël, nous lisons dans Zacharie chapitre 2, verset 12, l'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Le Seigneur possédera. Ce n'est pas aux États-Unis ou dans un quelconque pays sur la terre, mais dans la terre promise. Et le prophète utilise le terme dans la terre sainte, parce que c'est le choix de Dieu de donner cette portion de terre à son peuple élu Israël et aussi choisir Jérusalem comme l'endroit même de sa manifestation à son peuple. Et nous lisons dans Zacharie chapitre 14, quand le point culminant sera atteint, le Seigneur posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Zacharie, chapitre 14, verset 4. Et nous lisons à la fin du verset 5, dans Zacharie, chapitre 14, « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. » Et quelque chose de spécial s'accomplit quand cet événement arrivera aux Juifs et quand cela s'accomplira. Au verset 7, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Nous voyons l'accomplissement de cette prophétie quand nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7 et le reste pour comprendre
exactement quand cela arrivera est l'endroit de l'accomplissement. Et en même temps, nous comprenons que Jésus, notre Seigneur, a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et Jean-Baptiste est venu pour rendre témoignage à la lumière, Jésus-Christ, et cette lumière. C'est ainsi que nous comprenons, par la révélation divine, que le jour de la grâce a eu un commencement et aura une fin. Et nous comprenons aussi que Frère Branham a dit plusieurs fois que il y aura de la lumière au temps du soir. Et c'est ainsi, avec les Juifs, quand leur temps arrivera, nous, notre temps est déjà arrivé. Parce que, selon Actes chapitre 15, Romains chapitre 11, le Seigneur va achever son œuvre avec l'Église des nations et il se tournera vers Israël et tout Israël sera sauvé. Il y a plusieurs Écritures qui se réfèrent à cet événement. Maintenant, au sujet de l'Église épouse, celle qui est appelée à sortir, qui est consacrée au Seigneur, qui a été ramenée à la parole, aux enseignements apostoliques. Et non, nos têtes, mais nos cœurs sont ramenés à Dieu, à sa parole, et respecter ce que la Bible dit. Mes bien-aimés, je l'ai dit plusieurs fois. J'ai connu Frère Branham pendant 10 ans. Je suis très, très reconnaissant pour cela. J'ai eu plusieurs conversations avec lui personnellement, même au téléphone, à partir de Krefeld à Jeffersonville. J'ai 21 lettres de notre correspondance. Je suis très, très reconnaissant envers Dieu pour cela. J'ai traduit toutes ses prédications dans la langue allemande. Alors, s'il y a quelqu'un sur la terre qui peut prétendre connaître les enseignements et le message, et je crois que c'est justifié que je fasse cette déclaration. Et en même temps, je réalise combien de frères sur la terre n'ont plus de respect envers la parole de Dieu, mais ils expliquent les déclarations de Frère Branham sans ramener cela aux Écritures. Et ça, selon ma compréhension des choses, c'est vraiment la partie de la séduction du message de l'heure. Frère Branham, le prophète promis, l'homme envoyé de Dieu, avec la véritable parole de Dieu, avec un enseignement, des enseignements apostoliques, avec une confirmation véritable, mes frères et sœurs, j'ai vu cela. J'ai vu les jours de la Bible. De mes propres yeux, j'ai vu le ministère que notre Seigneur avait en tant que Fils de l'homme se répéter devant moi. Je sais de quoi je parle. Je suis un témoin oculaire. Je suis celui qui a entendu. Mais quand il en arrive aux nombreuses interprétations que les gens s'appellent eux-mêmes des croyants du message, ou des croyants de la Bible. Et quand vous vérifiez, il n'y a pas des croyants de la Bible, croyants, non plus des croyants du message, mais des interprétations de la Bible et des déclarations de Frère Branham. Le temps est arrivé pour que tous les vrais serviteurs de Dieu de croire et d'être sûr que ce que nous croyons, ce que nous enseignons, ce que nous pratiquons, soit à 100% en accord avec la parole de Dieu. La restauration veut dire être ramené
tel que l'Église était au commencement même. Et c'est ainsi, comme il a été dit à Frère Branham le 11 juin 1933, que le message qui lui a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Et ce message, par la grâce de Dieu, d'une manière cristal, comme du cristal, est clair. Je l'ai apporté jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Dieu du ciel a envoyé William Branham en notre temps pour nous ramener à Dieu et à sa parole. Et c'est la même chose aujourd'hui. Recevez la révélation divine sur sa parole et sur le message de l'heure. Placez le message de l'heure dans les Saintes Écritures. Et puis, on aura une seule réponse finale de Dieu dans chaque point, dans chaque enseignement et dans chaque pratique. Que notre cher Seigneur vous bénisse. Nous avons eu un week-end béni, peut-être 800 à 900 personnes se sont rassemblées de partout de l'Europe et d'autres parties du monde. Le Seigneur nous a bénis et nous sommes très reconnaissants que les gens au Japon, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, partout, se sont joints à nous par Internet et ont participé aux réunions que nous avons eues ici au centre missionnaire à Krefeld, en Allemagne. Que notre cher Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le Saint-Nom de Jésus. Amen.